Bonjour à tous, on espère que vous allez bien. On avait à cœur de vous faire cette petite vidéo pour vous donner quelques nouvelles, parce qu'on s'est rendu compte que ça faisait plusieurs mois qu'on n'avait pas donné de nouvelles de ce qu'on vivait en général. On adore faire ces petites vidéos témoignages de choses qu'on a pu vivre, mais ça nous tenait à cœur aussi de vous partager plus généralement ce qu'on a vécu ici ce printemps. Et c'est pour ça qu'on a mis juste en dessous de cette vidéo un lien avec un point de nouvelles, une lettre de nouvelles un peu à notre sauce, où on vous donne un peu des photos, on vous donne des nouvelles sur ce qui se passe, sur les différents projets. On y parle du coup de l'installation au centre communautaire, d'où on en est avec nos petites poules, de comment ça se passe avec les familles, et on y développe aussi nos sujets de prière qu'on avait à cœur de vous partager un petit peu plus maintenant. Du coup, un des gros sujets de prière, c'est de garder la joie au milieu au milieu de ce pays. C'est vrai que dû à l'insécurité, dû aux violences et dû aux personnes qui vivent des traumatismes, c'est pas toujours facile de garder le sourire alors qu'on puisse vraiment puiser notre joie aussi dans le Seigneur au milieu de tout ça et garder le sourire avec des petits trucs légers aussi. Et de pouvoir continuer aussi à transmettre ce sourire, enfin, dans le sens d'avoir cette joie en Christ qui permet d'être débordante et de déborder sur d'autres personnes et de pouvoir, voilà, offrir des moments de joie aussi avec les locaux. Et du coup, ça amène aussi sur le second point qu'on puisse, ouais, continuer à s'améliorer dans notre langue, dans notre créole, parce que c'est comme ça qu'on entretient les relations, c'est un des moyens de communication. Donc vraiment qu'on puisse, ouais, passer le step du juste du bonjour et vraiment aller beaucoup plus loin dans les dialogues et les encouragements avec les locaux sur place. Et aussi ajouter pour voilà, le sujet de prière qui est la finance. On reste suisse, c'est un sujet qui travaille tout suisse. Et voilà, on vit ici bénévolement, on a vraiment cette envie de servir dans ce pays, cette envie de servir, donc on vit à 100% de dons. Qu'ils puissent pouvoir, qu'on puisse continuer d'honorer notre service ici parce qu'on aime ce qu'on fait et c'est incroyable. Et que voilà, qu'on puisse faire confiance dans nos finances au Seigneur. Et aussi au niveau de la confiance vis-à-vis du Seigneur, on a aussi tout ce qui est aussi pour la suite. On souhaite vraiment rester 100% focus et investi dans ce qu'on fait ici en Haïti, mais c'est clair que on sait que c'est pour une durée, donc aussi que Dieu puisse nous guider sur qu'est-ce qui se passera après pour nous dans nos réflexions et nos désirs. Voilà, merci d'avoir reçu cette petite vidéo. Du coup, cliquez sur le lien qui est juste en dessous pour avoir plus de détails sur tout ça. Et voilà, passez une belle semaine et soyez tous bénis. Ciao. Ciao.